bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi, vidéo à thème. Le thème abordé aujourd'hui, qui n'aura rien à voir avec le spot, c'est Noël. Alors, pourquoi je vous parle de Noël? Parce que, comme vous le savez, hein, je suis seule avec les enfants depuis bientôt 2 ans et que l'année dernière, on a fêté Noël avec le papa quand même parce que, parce qu'on avait du mal à envisager le nouveau, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai que quand on se sépare, on perturbe la vie de nos enfants, hein, tout le monde le sait, c'est pas un scoop. Et on pensait l'avoir suffisamment mouvementé, leur vie, pour ne pas rajouter en plus le Noël différent. Donc en fait, on a fêté Noël ensemble l'année dernière, ce qui ne sera pas le cas cette année. Donc, de mon côté, j'ai imaginé comment nous allons passer Noël. Alors, je vais retracer un petit peu nos habitudes d'avant pour faire la comparaison avec ce que ça va donner maintenant. Avant, on avait on aura toujours des traditions, quoi qu'il en soit, parce qu'il y en a qu'on avait avant, que je vais garder, évidemment. Mais les traditions d'avant, c'était que déjà, on a Adam qui est né le 2 décembre. Et on avait pris pour habitude d'installer le sapin après l'anniversaire d'Adam, parce que ça tombait souvent soit le jour, soit la veille, le lendemain, le premier week-end de décembre, en fait, c'était le jour où on installait le sapin. Sauf que par rapport à l'anniversaire d'Adam, c'était toujours plus ou moins en même temps, en fait. Donc quand on peut pas fêter les anniversaires en semaine, on les fête le week-end et on se retrouvait souvent à devoir jongler entre l'anniversaire d'Adam et l'installation du sapin, et on voulait pas mélanger les deux. Donc du coup, on attendait l'anniversaire d'Adam et on faisait le sapin après. Sauf que, clairement, c'était compliqué pour moi, principalement, parce que les autres s'en fichent un petit peu, je pense, mais c'est vrai que moi, j'aime bien garder cet esprit de Noël pendant longtemps, en profiter vraiment le plus possible. Et du coup, l'installer qu'après, ça faisait tard et ça nous faisait peu de... En fait, moi j'aime bien profiter de l'esprit de Noël avant Noël, mais par contre, une fois que Noël c'est terminé, je vais très vite enlever mes décorations, je vais très vite passer à autre chose, parce que la nouvelle année est une nouvelle année, en fait. Et donc, j'aime mieux profiter de l'esprit de Noël avant Noël plutôt qu'après. Et donc, c'est vrai qu'on avait pris cette habitude. Donc à l'époque, on attendait l'anniversaire d'Adam, on installait le sapin après. Au 1er décembre, malgré tout, on commençait le calendrier de l'Avent. Et c'est là que ça me dérangeait un petit peu, parce que du coup, on entrait plus ou moins dans l'esprit de Noël, mais sans le sapin. Donc, c'était un peu contradictoire quand même. Donc, on commençait le calendrier de l'Avent le 1er décembre, comme tout le monde. Et le week-end qui suivait l'installation du sapin, on se faisait en fait une journée, c'était toujours le samedi, en cuisine, tous ensemble, en famille, pour confectionner des biscuits de Noël. Et ça, c'était une de nos traditions que je vais garder. Parce que c'est une journée qu'on adore et que c'est une journée de partage immense. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime partager avec mes enfants. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder. Et puis après, la tradition suivante, c'était que, effectivement, pendant toute cette période, on regarde des films de Noël à n'en plus finir. On les connaît par cœur, on les a déjà vus au moins 5 fois, mais c'est pas grave, on adore ça. Donc forcément, ça, c'est une tradition qu'on va garder aussi. Maintenant, il y a les traditions de Noël à proprement parler, parce que là, on parle des préparations de Noël, de l'anticipation de Noël, mais il y a aussi le jour de Noël, ou la veille, puisque le 24, c'est quand même la veille de Noël. On avait aussi des traditions qu'on aimerait garder. C'est que, en fait, le 24 au soir, je pense qu'on est comme tout le monde, on fête le réveillon de Noël. Donc, on prévoyait un apéro dînatoire, on faisait une première distribution de cadeaux. Alors, on n'achète jamais qu'un seul cadeau à nos enfants pour Noël, hein, même si c'est des petites bricoles ou quoi que ce soit. Ils avaient le droit d'ouvrir un cadeau le 24, le restant étant ouvert le 25 au réveil, parce que je trouve que ça permet justement à ce qu'on se lève pas trop tard le 25, parce que je me dis que c'est quand même le jour de Noël et que forcément on a envie de profiter de cette journée.
Et donc, du coup, le fait d'ouvrir les cadeaux le matin, c'était plutôt top. Donc, ils ouvraient un cadeau le 24 au soir. Et puis, souvent, après, on se faisait une soirée Wii. Alors, nous, la Wii, je vais être honnête avec vous, on avait Mario Kart et Just Dance. Et donc, le soir du réveillon, c'était Just Dance. Jusqu'au bout de la nuit, on ne faisait que ça. On dansait, on riait, on jouait tous ensemble. Et c'était génial et on adorait ça. Ça n'a rien à voir avec Noël, hein, vous allez me dire, mais c'était une soirée de partage en famille. Et c'est ça qui était important pour nous, en fait. Ou alors, on pouvait se regarder un film de Noël si vraiment on n'avait pas envie ou pas le courage de d'être hyperactif ce soir-là. Voilà, on trouvait toujours quelque chose, mais quoi qu'il en soit, c'était un moment de partage en famille. Ensuite, le 25 au matin, il y avait l'ouverture des cadeaux, donc des principaux cadeaux. Et puis, surtout, il y avait un breakfast. Alors, tout... Les matins de Noël, on se préparait un petit déjeuner à l'anglaise, c'est-à-dire, alors chacun prenait ce qu'il voulait, hein, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un bol de céréales, de la brioche, des biscottes, enfin peu importe, chacun prend ce qu'il veut. Mais il y avait, quoi qu'il en soit, pour ceux qui le veulent, des œufs, du bacon, des tomates cuites, un jus d'orange qu'on essaye de faire frais. Cette année, je vais aussi préparer du multifruit, mais j'en reparlerai. Puis bah forcément pour les adultes le café ou même chocolat chaud pour les enfants. En fait, chacun prend ce qu'il veut, mais on cuisine des œufs avec du bacon cuit et des tomates cuites parce que c'est important pour nous. Ensuite, bah on laisse passer un peu l'après-midi, hein, tout dépend de l'heure à laquelle on s'est levé. Et si on se levait par exemple à 9h, eh ben on ouvrait les cadeaux, à 10h on prenait le petit-déj et du coup vers 13h, 13h30 on faisait un repas cuisiné avec une viande, un vrai repas de Noël, quoi. Toujours en famille, avec une table décorée, avec voilà, un moment qui nous tient à cœur. Il est arrivé certaines fois qu'on se lève trop tard et que du coup, on ne fasse pas ce repas. Donc, on est passé direct au canapé parce que, voilà, après, il y a d'autres traditions qui suivent. Hein. L'après-midi, on n'a pas d'ordre pour le faire. Mais systématiquement, on va faire des jeux de société en famille et on va regarder un film de Noël en famille. Donc encore une fois, c'est des films qu'on a vus 15 000 fois. C'est d'ailleurs même très souvent le même qu'on regarde le jour de Noël. Mais on adore ça. C'est notre truc à nous. Voilà. Et du coup, quand on s'installe devant le film de Noël, et ben c'est avec un chocolat viennois parce qu'on adore ça. Alors, je sais jamais si on dit viennois ou liégeois. Non, c'est un viennois. Avec de la crème chantilly sur le dessus, avec un petit chocolat à manger à côté, avec les biscuits de Noël qu'on a préparés. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment notre Noël à nous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, les choses sont différentes, puisque comme je le disais, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes séparés avec le papa des enfants. Cette année, je suis seule le 24 au soir. Alors, peut-être pas seule, complètement seule. J'aurais peut-être Anaïs avec moi et si c'est le cas, on va vraiment essayer de se faire une soirée au top. Mais les enfants seront avec leur papa le soir du 24. Et bah, c'est vrai que ça me fait bizarre d'imaginer passer le 24 sans mes enfants. Mais voilà, ça fait un moment que je le sais et je commence à m'habituer à l'idée et ça, je commence à réfléchir à ce que je vais faire de ma soirée parce que clairement, je me vois pas aller me coucher à 21h le soir de Noël, enfin du réveillon en tout cas. Donc, je pense que cette soirée, si Anaïs n'est pas avec moi, eh bien, c'est pas grave. Je pense que je passerai ma soirée à préparer une super journée pour le lendemain, en fait, de préparer le sapin avec les cadeaux autour, de préparer tout pour le lendemain pour pouvoir voilà être au top dès que les enfants vont arriver et n'avoir le moins de en fait le moins de choses possible à préparer pour passer le plus de temps possible avec eux. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas vraiment commencé les préparatifs. J'ai juste commandé une première partie des cadeaux de Noël. Puisque systématiquement à chaque Noël, mes enfants ont des jeux de société. Et donc là, j'ai déjà commandé les 4 jeux de société. Anaïs, elle n'en prend pas spécialement parce que voilà, il ne joue jamais aux jeux de société. Elle aura un autre cadeau. Et du coup, le 25, après-midi, ça va être le programme de notre après-midi, ça va être de faire
des jeux de société avec les nouveaux jeux des enfants, de façon à ce qu'ils soient contents et qu'on puisse vraiment utiliser les choses qu'ils auront reçues. Ensuite, ils vont avoir d'autres cadeaux de Noël que je commanderai début décembre. Ils vont avoir un cadeau chacun. Alors Anaïs, elle va avoir un cadeau plus gros en fait que ses frères et sœurs, mais du coup elle ne va en avoir qu'un. En l'occurrence, les enfants en ont deux puisqu'ils ont un cadeau et leur jeu de société. Anaïs, elle n'en aura qu'un. À côté de ça, j'ai envie de leur faire des petits cadeaux, des petites bricoles, genre chacun un mug personnalisé. J'ai envie de leur faire plaisir en leur prenant chacun des DVD, puisque on est très DVD dans la famille. On aime de temps en temps pouvoir se regarder des programmes, des films qu'on a en DVD, mais qui passent pas forcément à la télé à ce moment-là. On aime bien ça. Donc c'est quelque chose que on va remettre en place. Parce que là, j'avoue que le fait d'avoir mis le lecteur DVD dans ma chambre, on les regarde plus les DVD. Donc je vais redescendre le lecteur DVD dans la salle et je pense qu'on sera plus tenté à regarder des choses en famille ici plutôt que là-haut. Donc pour l'instant j'ai pas commandé grand chose, mais je me suis dit, j'ai commandé quand même la moitié, pour l'instant la quasi moitié des cadeaux, mais surtout ce qui me faisait réfléchir là depuis quelques temps, c'est que dans ce contexte de Covid, j'ai envie d'amener l'esprit de Noël dans la maison pour ramener un petit peu de chaleur, un petit peu de bonheur, de joie, d'amour, de magie, de féerie, pour qu'on se sente mieux en fait. Et je me suis dit que en fait, je pense que le week-end prochain, on installera le sapin. Alors, le sapin au jour d'aujourd'hui, nous avons un tout petit sapin. Un petit sapin artificiel. Et là, pour le moment, je suis encore en questionnement de me dire, est-ce que on reste sur le tout petit sapin qu'on avait acheté? Ou bien, est-ce que on va acheter un sapin qui sera forcément un peu plus gros, en sachant que moi, je ne suis pas pour les sapins surchargés, j'aime les sapins épurés. Et que du coup mes décos peuvent tout à fait aller sur un sapin plus gros qui sera pour le coup moins chargé, plus épuré et dans le coup plus joli. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas encore où on va le mettre, ce fameux sapin. Au jour d'aujourd'hui, je suis en projet de déménager ma chambre pour situer un petit peu pour les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment ou qui la rejoignent par cette vidéo. J'ai une maison qui est en fait un logement social que je prévois de rendre dans le courant de l'année qui vient. Ça pourra peut-être être l'année d'après, j'en sais rien, je me mets pas la pression, hein, je n'ai pas de deadline en tête. Juste qu'effectivement cette maison, elle ne convient que partiellement à nos besoins. Juste en face de moi, là-bas, il y a une pièce qui n'est pas fermée, c'est-à-dire qui est totalement ouverte sur le séjour, il n'y a aucune porte, aucune cloison. Donc au départ, j'avais mis des rideaux, et je les ai reposés sur la fenêtre et du coup ma pièce est de nouveau ouverte sur la pièce d'à côté. Ce qui fait que j'ai déplacé ma chambre dans une pièce qu'on a là-haut, qui n'a pas de fenêtre, qui est considérée comme un grenier, mais qui est malgré tout isolée. Sauf qu'en fait cette pièce, elle me déprime un peu. Et j'aimerais bien avoir une chambre. Une pièce dans laquelle je peux ouvrir les volets le matin, aérer. C'est primordial pour moi. Donc, tout ça pour dire que je ne vais pas installer mon sapin dans ma chambre. Ça me paraît pas logique. Donc, je vais voir ce qu'on va faire. Je me dis que peut-être je l'installerai à l'entrée de la chambre, ce qui fera un peu brise-vue, en fait, par rapport à l'aspect visuel qu'on va avoir sur ma chambre. Donc je pense que le sapin, on va le mettre là, un peu dans le renfoncement, mais qu'il soit quand même visible quand on rentre dans la pièce, sans pour autant étouffer l'espace. C'est vraiment ça mon projet. J'aurais pu le mettre derrière moi, à côté de cette plante, et déplacer cette plante. On verra, je pense que je vais en parler avec les enfants, je vais voir avec eux ce dont ils ont envie. C'est vrai que le mettre derrière moi, ça me permettrait aussi de l'avoir en fond de vidéo quand je ferai mes vidéos pendant la période de Noël. Je ne sais pas, c'est en réflexion, on va voir ça, mais en tout cas, ça va se faire.
ça va se faire en fonction des envies de chacun. Je vais consulter les enfants et on va décider de tout ça. Donc déjà, on va installer le sapin, je pense, la semaine prochaine. Donc il faut qu'on aille l'acheter. Donc je vais un petit peu cette semaine sonder mes collègues pour savoir où elles achètent leur sapin et où elles en trouvent des beaux. Évidemment, je vais y aller avec les enfants. Ça va être l'occasion de faire une activité, encore une fois, en famille. Nous allons aller chercher le sapin. Nous allons décorer le sapin et nous allons faire ça ensemble parce que c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Donc, est-ce qu'on va le faire la semaine prochaine? J'aimerais bien, puisque la semaine suivante, les enfants seront chez leur papa et donc, bah forcément, ça va être compliqué de trouver un moment avant décembre. Après, on va être trop vite rendu à l'anniversaire d'Adam et ça va trop retarder les choses. Donc vraiment, il faudrait qu'on le fasse la semaine prochaine. Donc ça, c'est le projet. Installation du sapin la semaine prochaine. Le week-end d'après, les enfants seront chez leur papa. Et le week-end d'après, je ne suis pas sûre de moi, mais je pense qu'on sera rendu début décembre, puisque la semaine prochaine, on sera le 22 novembre. Ouais, on sera toujours fin novembre. C'est vrai qu'on peut encore le faire la semaine qui suit, puisque l'anniversaire d'Adam va tomber dans la semaine. Donc, on verra. Je vais en parler avec les enfants. Je vais voir un petit peu comment tout s'organise. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on le fasse rapidement quand même. Donc ça, c'est le premier projet pour la préparation de Noël. Ensuite, on va mettre en place le calendrier de l'Avent au 1er décembre, comme d'habitude. La journée biscuit, on la fera comme d'habitude. Même si on doit la faire un dimanche parce que les enfants ont passé le week-end chez papa et que du coup, moi, je demanderai à leur papa de les ramener un peu plus tôt pour qu'on puisse faire cet atelier de sablé de Noël ensemble sur un week-end où ils étaient censés aller chez lui. En général, quand je demande, il est jamais réfractaire à les ramener un peu plus tôt. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. On verra bien, hein, peut-être pas cette année, je ne sais pas. Ce sont que mes idées pour l'instant. Ensuite, on va regarder nos films de Noël comme d'habitude. Et puis, bah, du coup, pour ce qui concerne le 24... Et le 25, bah comme je vous le disais tout à l'heure, le 24, ça sera soit avec Anaïs, soit toute seule. Mais quoi qu'il en soit, je serai dans les préparatifs le 24. Je ne sais même pas en fait si je serai en vacances. Les enfants seront en vacances toute la première semaine des vacances de Noël chez leur papa. Et il y a des chances que je sois moi aussi en vacances, mais du coup toute seule. Donc quelque part, je me dis, ça me fera une occasion de me reposer, puisque là, je vais enchaîner jusqu'à décembre des semaines de 45 heures. Donc je pense que j'aurai besoin au moins pendant 2 ou 3 jours de bien dormir et de vivre un peu slow life autant que je le peux. Donc c'est pas une mauvaise chose. Et du coup, ils passent le réveillon de Noël avec leur papa et il me les ramènera le 25 au matin. Donc quand ils vont arriver, évidemment, ça va être ouverture des cadeaux. Ensuite, on va se faire un petit repas entre nous. Alors, je vais en parler avec eux encore une fois pour voir si on fait un repas cuisiné, s'ils préfèrent faire un apéro déjeunatoire. Et je pense que j'ai déjà ma réponse. Alors évidemment, quand je parle d'apéro déjeunatoire, c'est vraiment sur le thème de Noël. Hein. On fait des toasts, on fait plein de choses qui sont en lien avec Noël. Et donc, je pense que ça va être le choix des enfants. Et puis, l'après-midi, ça sera nos traditions habituelles. Hein, le chocolat chaud avec la chantilly devant un film de Noël, avec des célébrations, avec les chocolats de Noël, avec... les jeux de société aussi toute l'après-midi. Et puis après, on termine notre journée tranquillement. J'ai envie de dire à la Montleguienne, puisque en fait, cette soirée, on en fait ce qu'on veut. Si on a envie de manger à 22h, et on mange à 22h. Si on a envie de manger à 18h parce qu'on se rend compte qu'on a faim, on mange à 18h et on mange ce qu'on veut. C'est vraiment la journée, alors je vais pas dire nos limites, mais presque. C'est vraiment le jour où on fait ce qu'on veut. Noël, c'est le bonheur, la liberté, c'est la joie d'être ensemble, c'est la joie en famille, c'est Noël quoi. C'est le seul jour de l'année où on fait ça, alors on peut se lâcher un peu. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'être à Noël, surtout au 25 du coup, puisque on sera tous ensemble avec Anaïs. Donc ça sera vraiment cool, je suis vraiment contente. Donc j'ai hâte déjà d'installer le sapin, j'avoue, j'ai hâte.
Mais vraiment, j'espère que tout ça, ça va se faire. Je pense pas qu'on va décorer la maison complète hein, tout de suite, mais au moins installer le sapin. Et après, j'aimerais qu'on décore la maison petit à petit, de semaine en semaine, pour justement prendre conscience qu'on se rapproche de plus en plus de Noël et d'avoir un peu cette euphorie d'excitation après l'anniversaire d'Adam. Parce que je veux vraiment faire la différence entre l'euphorie de Noël et l'euphorie de l'anniversaire d'Adam. Je veux vraiment qu'il ait l'impression que son anniversaire, c'est quelque chose d'important et que bah on pense pas plus à Noël qu'à son anniversaire. Voilà, c'est surtout ça l'esprit. Maintenant, le fait de mettre le sapin avant, bah ça nous met un peu dans l'esprit. Et à partir de son anniversaire, bah, ça va aller crescendo jusqu'à Noël. Et c'est ce qu'on aime en fait. En tout cas chez nous, c'est ce qu'on aime. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous dresser un peu le portrait de nos traditions. J'en avais déjà fait une l'année dernière, donc il y a des choses que vous saviez déjà. Mais je les ai rappelées pour que vous puissiez faire la différence entre l'année dernière et cette année. Pour ceux qui nous ont rejoints, en tout cas, c'était important. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à nous rejoindre en s'abonnant si c'était pas encore fait. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, un vlog. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao !